Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec le FC Barcelone. Comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, nous avons réussi à nous qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey et remonter un peu au classement. Voilà, vu que on s'était arrêté à l'épisode match contre l'Atlético de Madrid. J'ai joué les trois matchs qui me restaient pour le mois de décembre. Et maintenant, on est au mois de janvier. Les matchs qu'on va seulement... On va seulement jouer que deux matchs. Car le quart de finale de la Copa del Rey, je pense que je ne vais pas jouer le match contre le Real Betis. Je vais le passer. Bon, voilà. Et aussi, voilà. Là, j'ai déjà fait des offres. J'ai fait des propositions. Si je me trompe pas, vu que maintenant on a eu un gros coup de pouce financier, voilà, je pense que si je me trompe pas, on avait déjà tenté, voilà, et j'avais déjà tenté, j'ai déjà, en fait, je sais pas, je me souviens plus, on va regarder en fait. Je pense que j'avais déjà commencé à jouer, voilà, et j'avais acheté, parce que le dernier joueur qu'on avait recruté, c'était Alisson sur un échange avec Sergio Busquets, et là j'ai fait un autre échange, donc j'ai échangé Arturo Vidal pour obtenir Leroy Sané. Ensuite j'ai acheté Hakim Ziyech, donc maintenant là on est sur le point de recruter Mohamed Salah. Voilà, les négociations sont pause pour l'instant, donc on va devoir passer une semaine pour savoir si il va nous répondre. Mais d'abord nous allons jouer les quarts de finale de la Copa del Rey face à Valence, donc c'est aller-retour et on doit tout faire. Et je pense aussi vendre des joueurs, comme on a acheté des joueurs, je pense en vendre pour moi les joueurs qui ne sont pas utile. Donc on se retrouve lorsque j'aurai mis tous les joueurs inutiles à mon point de vue en liste des transferts. Donc c'est bon, vu qu'on a passé deux joueurs, j'en ai pu mettre que quatre. Donc j'ai mis Neto, vu qu'on avait déjà assez de gardiens, on était déjà quatre gardiens. Donc j'ai mis Neto en liste des transferts. J'ai mis Junior Firpo, j'ai mis Iñaki Peña. Pour moi, je pense que je vais le retirer. Je pense qu'il a du potentiel, donc on va le garder. Donc, j'ai mis Rakitic en liste de transfert, comme on a déjà assez. On a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer au poste de milieu de terrain. Donc, j'ai mis Rakitic en liste des transferts. En plus, il a 30 ans, c'est bon. Ensuite, c'est tout. J'ai mis que ces joueurs-là. Donc, on va pas perdre de temps. On va immédiatement jouer le match contre Valence. Le match aller pour savoir qui pour un jour pour la Copa del Rey. Mais avant tout, je vais vous montrer l'équipe qui jouera. Voilà, l'équipe qui jouera dans ce match. Donc l'équipe qui va jouer en fait, donc regardez, l'équipe qui va jouer, voici l'équipe qui va jouer. Donc dans les cages, nous aurons Neto en défense, rien ne change. L'anglais, nous aurons l'anglais et Umtiti défenseur, centraux, et en libéraux, nous aurons Van Dijk. Puis en milieu de terrain, milieu défensif, nous aurons Rakitic. Milieu latéral, nous aurons Neymar à droite et Jordi Alba à gauche. Milieu central, nous aurons Hakim Ziyech, et les deux milieux offensifs, Philippe Coutinho et Lionel Messi. Et en pointe, nous aurons Kylian Mbappé. Et sur le banc, nous avons Alisson, Joshua Kimmich, Ricky Pouch, Antoine Griezmann, Arthur Melo, Lucas Paqueta et Luis Suarez. Et le reste est sur le banc de réserve, mais ne vous inquiétez pas, ces gens-là, je les ferai jouer dans le prochain match. D'abord, c'est parti pour le quart de finale aller de la Copa del Rey. And if it hurts me, or I get scared.
De cette première confrontation. Donc voilà, dans ce match là on aura pu, là on a déjà un pas dans les quarts, on a déjà un pas en demi-finale de la Copa del Rey. Comme vous pouvez le voir, on a déjà un pied en demi-finale vu qu'on a gagné, on a gagné notre match. Donc voilà, la Fiji qui l'a remporté, il a raté le Real et la petite Bilbao. Donc on a déjà un pied. Et puis on a un demi-pied, on va pas dire qu'on a un pied totalement, car on a marqué un but à l'extérieur. Donc si au match, ou match retour, on remporte, on se qualifie pour les demi-finales. Et Mohamed Salah qui a accepté, donc c'est officiel, Mohamed Salah est un nouveau joueur du FC Barcelone. On le recrute pour un montant de 74 millions d'euros. Je le répète, 74 millions d'euros. On recrute notre cher Mohamed Salah. Donc je vais vous montrer. Donc il aurait un salaire annuel de 44 millions. Donc c'est normal que je lui propose un tel salaire. Regardez le coup de pouce financier qu'on a. Donc on peut acheter n'importe qui, n'importe quel joueur et lui donner un salaire colossal. Donc là on va passer. Et on aura le match contre le Real Betis que je vais passer, car ce match-là, je ne jouerai pas, car nous allons jouer. Donc, nous avons reçu des offres pour Nelson Semedo et trois offres pour
J'ignore cerveau, j'ai pris une décision, je ne pense pas à vendre du tout. Donc je pense de me retirer de la liste de transfert. Voilà, je pense de retirer de la liste de transfert, donc on ne vendra pas du tout, mais je pense qu'on a reçu des offres pour Junior Farco. Donc pour ces offres-là, on a Athletic Bilbao qui propose un échange avec Kania. Il y a Valence qui voudrait l'avoir et le Real. Je pense le vendre, mais pour moi, je vais le vendre parce que c'est un bénéfice pour moi. Donc, je pense le vendre au Valence. Non, mais ce sera notre futur adversaire. Donc, non, pour le moment, on va le mettre en pause, on va le faire attendre. Pour un moment, et pour Nelson Semedo, je pense pas l'avoir mis dans la liste des transferts. C'est la Sampdoria qu'il propose. Sampdoria, je ne sais pas encore. Donc pour le moment, on va mettre ses offres en pause. Oui, Sampdoria. Donc pour le moment, on va mettre ces trois clubs en pause. Pour le moment, je peux dire qu'une seule chose. Pour le moment, on va le mettre en pause. On va mettre ces joueurs-là en pause. Donc on va passer le match contre le Real Betis. Donc voilà, on le remporte 1-0. C'était sûr et certain qu'on allait remporter ce match. Donc c'est pour ce match. Donc on va devoir se concentrer totalement pour le match contre Valence, le match retour contre Valence. Donc c'est bon, ils ont refusé, ils n'ont pas voulu attendre, ils ont annulé. Voilà, et Rakitic qui reçoit et Firpo qui reçoit encore deux. Non, c'est Firpo était tout ce avec cette chose. Voilà, je pense que voilà, on va devoir. Je vais devoir refuser ces offres parce que je ne peux pas le vendre à mon futur adversaire. Je pense qu'en plus il y en a un Rakitic qui a reçu des offres. Donc du PSV Eindhoven, donc je vais le faire attendre, donc on a besoin de lui pour le moment. Puis je n'en fais pas, la petite Bilbao n'a pas voulu attendre. Donc ils ont refait une offre, mais là ils ont dit, là ils ont proposé plus. Donc je pense qu'on va le vendre Firpo, ouais, on va le vendre. Donc on va vendre Firpo du côté de la Real Sociedad. Donc c'est accepté, il quittera le club. Donc Semedo, c'est mieux qu'il ne quittera pas, attendez, parce qu'il n'avait pas de son niveau non plus. Semedo, je ne sais pas si je l'avais mis en liste de transfert, je pense pas. Semedo, non, je pense pas. Semedo, je ne l'avais pas mis dedans. Là, on fait encore quelques changements. Enfin, on va faire quelques changements pour cette rencontre. Donc, comme ça, c'est le banc qu'on va changer, je pense, mais mettre un autre joueur. Donc, on va mettre. On va faire ce changement là, ce jeune ici, comme ça. Et on va le faire sur le terrain avec le Vietch. On va changer rapide, je vais le mettre à la fin de la donc on a fait quelques changements en attaque, voilà, et c'est parti pour le match contre le match retour de la Copa del Rey face à Valence.
wish there was something I could say. Anything to take your pain away. I could whip you up some fairy tales, though you wouldn't like that. I wish I could give you everything you could think up in your wildest dreams, and you wouldn't owe me anything, though I know you wouldn't like that. But when I touch you, do you like that? Because I just wanna give you what you like. I just wanna give you what you like. I just wanna give you what you like. Go! Nous irons en prolongation jusqu'à la fin de la première Mohamed Salah, notre nouvelle recrue, marque ce but qui nous emmène en prolongation. Ce but match fin du temps réglementaire. Grâce au but de Mohamed Salah, on va jouer les prolongations. Comme vous pouvez voir, nous avons déjà un KO. Et il nous reste un seul changement dans le but pour le regret de remplacer Messi, car comme il y a un coup de pied carton jaune, il ne pourra pas jouer la prochaine rencontre. Donc j'aurais décidé que je remplacerai et remettre un coup fatigue à la place de Léo Messi. Et je pense que quand nous sommes ça, on va devoir partir sur une formation totalement défensive. Donc nous allons passer à 5. Une formation à 5. Donc Marie, je n'ai pas le choix. Donc on va passer sur une formation. On va passer sur une formation à 5. Donc nous aurons 2 milieux latéraux, 2 milieux défensifs. Donc on va tout totalement jouer sur la défense. Et c'est maintenant que nous allons débuter cette seconde période. Première période des prolongations. Roma fidèle sur cette tête victorieuse, sur magnifique corner de en dessous Fati sur cette tête. Lautaro Martinez nous qualifie pour les demi-finales de la Copa del Rey. Quelle magnifique tête de Lautaro Martinez sur cette tête. Nous envoyons le FC Barcelone au quart de finale de la Copa del Rey. Deuxième but pour le FC Barcelone, ça fait 2 à 1. Quel magnifique corner tiré de la part de Ansu Fati, le remplacement de Messi qui a endossé le brassard de capitaine sur ce magnifique corner. Quelle magnifique tête de Lautaro Martinez qui nous envoie en 2. Mi-finale dans le dégagement. Et c'est fait les amis, et c'est fait. Nous sommes en demi-finale de la Copa del Rey grâce au but de nos deux nouvelles recrues. Grâce à notre toute dernière nouvelle recrue, Mohamed Salah qui marque le but de l'égalisation qui nous envoie aux prolongations. Et Lautaro Martinez qui marque le but victorieux qui nous permet de nous qualifier dans les prolongations pour les demi-finales de la Copa del Rey. Nous gagnons notre match jusqu'aux prolongations. On n'est pas le seul à aller en prolongation car même
Même le FC Séville est allé en prolongation pour éliminer Valladolid. Athletic Bilbao et le Real Madrid ont gagné leur match. Maintenant, nous allons voir contre qui nous allons jouer cette demi-finale. Prions pour ne pas tomber face au Real Madrid, car le Real Madrid est un adversaire coriace, mais très très difficile à battre. Surtout sur cette difficulté, donc Junior Firpo qui a reçu encore des offres de la part de la Real Sociedad. Donc je pense que Junior Firpo, je pense que bon, Sergio Fabregas a signé au FC Porto, comme vous pouvez le voir. On est, je voulais vous dire que au classement on avait joué des matchs, donc voilà. Maintenant nous allons voir contre qui nous allons jouer les demi-finales de la Copa del Rey. Donc les demi-finales ont été faites, donc nous allons jouer les demi-finales de la Copa del Rey face au FC Séville. Donc nous allons jouer au FC contre le FC Séville les demi-finales de la Copa del Rey. Ben voilà, dans la Copa del Rey, mais pas dans cet épisode, dans le prochain épisode, nous jouerons les demi-finales de la Copa del Rey. J'espère que cet épisode, les amis, vous aura plu. Avec énormément d'émotions, on remporte des matchs très importants pour nous. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Cet épisode était totalement 100% Copa del Rey, quart de finale de Copa del Rey. C'était des quarts vraiment intenses. J'espère qu'on se reverra très très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce les amis, passez une très très bonne soirée. They take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now.